Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'accumulation de peau morte sur les genoux et les coudes peuvent les rendre foncés. Une hydratation avec les remèdes ci-dessus peuvent reprendre leur blancheur. La peau des genoux manque des glandes sébacées et elle est beaucoup plus épaisse que celle des autres parties du corps. Le problème est qu'on néglige le plus souvent cette partie de corps dans notre routine de beauté. Voici deux recettes faites maison pour rendre l'humidité et la douceur à vos genoux et vos coudes. 1. L'huile de coco avec du jus de citron. Une combinaison d'huile de noix de coco avec du jus de citron donne une crème naturelle aux propriétés exfoliantes pour hydrater et protéger la peau des genoux. Ce mélange contient de la vitamine E, un élément nutritif qui illumine le teint tout en réduisant la présence des cellules mortes et les impuretés. La crème fournit également des acides gras essentiels et en vitamine C, nécessaires pour minimiser l'apparence de la peau foncée et craquelée. Mélangez une cuillère à soupe d'huile de coco organique et deux cuillères à soupe de jus de citron jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Frottez-le aux genoux et aux coudes et laissez agir pendant 5 minutes. Rincez et répétez l'utilisation tous les jours pour obtenir un effet de blanchiment dans un court laps de temps. 2. Recette d'exfoliant au citron et au bicarbonate de soude. Un mélange très efficace qui promet de blanchir, nettoyer et laisser vos jolis genoux comme neufs, grâce aux propriétés éclaircissantes et exfoliantes du citron et du bicarbonate de soude. La procédure est également très simple et vous pouvez le faire à la maison en quelques minutes, de préférence une fois par semaine. Pressez le jus d'un citron dans un récipient et ajoutez la poudre de bicarbonate. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Puis appliquez-la sur vos genoux foncés pendant quelques minutes. Ensuite, à l'aide d'un gant exfoliant, commencez à masser doucement. Terminez en enlevant le reste à l'eau tiède. L'accumulation de saleté et de taches sur les genoux est parfaitement normale, vous ne devriez pas en avoir honte. Vous devez juste mettre vos mains au travail et appliquer cette recette chaque semaine pour éclaircir la peau de vos genoux rapidement. N'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. À bientôt.